Coucou. Bonjour, je suis Lola Morales et vous êtes sur Morning Kiss, la première école de séduction entièrement dédiée aux hommes. Et aujourd'hui, je vous accueille dans un lit. J'aime bien. On s'amuse. Je pourrais presque même faire l'émission comme ça. C'est vrai que le premier baiser est une étape un peu délicate parce qu'un stop est très vite arrivé. Pour me faire comprendre, je vais m'aider de mon assistant ici présent. Je vous présente Francis. Francis va être mon compagnon pendant tout cet épisode. Je sens qu'entre lui et moi, c'est déjà le début. C'est vrai qu'on a tous un petit peu vécu ce moment un peu pourri où on essaye d'embrasser quelqu'un sur la bouche et que cette personne détourne la tête de façon assez mélancontreuse. Donc vous tournez votre tête comme ça, vous allez pour faire un bisou et puis Francis détourne. Alors du coup votre bouche vient s'écraser contre l'oreille de Francis. Et moi j'aimerais justement vous éviter ce moment de solitude. Et donc le but de cette vidéo... Comment ça, plus de batterie, il se fout de ma gueule? Et donc aujourd'hui, Francis et moi, on va vous expliquer exactement par quelles étapes il faut passer pour instaurer une ambiance propice pour un premier bisou et quels sont les signes également qui prouvent que vous pouvez y aller ou pas. Avant tout, il va falloir que nous parlions espace vital parce que l'espace vital est quelque chose de déterminant. Parce que pour plus de naturel, il est nécessaire d'entrer dans l'espace vital de la personne que vous avez envie d'embrasser ou avec qui vous avez rencard. Qu'est-ce que l'espace vital? L'espace vital concrètement, c'est être à portée de câlin. Donc là... Francis est dans mon espace vital. Là, il est toujours dans mon espace vital. Là, il n'est plus dans mon espace vital parce que je ne peux plus l'attraper et le serrer contre moi. Après, les recommandations varient selon les coachs. Mais nous sommes tous d'accord pour dire que pour un premier baiser, il faut d'abord avoir franchi cet espace vital. Pourquoi? Parce que cela va être un indicateur. Nous ne laissons rentrer dans notre espace de proximité ou espace vital que les personnes dont nous sommes proches émotionnellement, c'est-à-dire les personnes que nous autorisons à nous toucher. Nos amis, éventuellement, notre famille en général, bien évidemment nos enfants quand on en a, et la personne... avec qui nous avons des rapports intracoïtales réguliers, en général, entre souvent dans notre espace de proximité. Eh bien, l'indicateur va être celui-ci. Si je laisse Francis franchir mon espace vital, cela signifie que j'accepte et que je tolère qu'il y ait contact physique. Cela signifie que je suis à portée de main et que cela ne me dérange pas. Cela ne me dérange pas d'entrer en contact physique avec lui. Là, par exemple, voyez-vous, j'ai l'impression qu'il me regarde avec insistance. T'as un problème? Donc le premier élément qui va vous aider à savoir si les feux sont au vert, c'est celui-ci. Si elle vous laisse entrer dans son espace vital et que donc elle reste à portée de vos mains, c'est déjà un très bon signe. Cela bien évidemment ne fait pas tout, mais c'est un premier indicateur et d'autres indicateurs vont accompagner ce premier feu vert. Une fois que vous avez pénétré son espace vital, il va falloir enclencher la seconde, c'est-à-dire instaurer une véritable proximité physique. Dès que vous ayez vos mains sur elle, ne doit pas la déranger. Et là aussi, ça va être un second feu vert. Nous avons tous des zones pour lesquelles être touché ne nous dérange pas. En général, c'est une affaire de convenance sociale. Par exemple, tout le monde tolère de se serrer la main pour se dire bonjour. Donc la main est une zone tactile relativement neutre dans certains contextes qui font que je peux serrer la main par exemple de quelqu'un, avoir un contact main à main, sans être dérangé. Une main peut également être une porte d'entrée, j'ai envie de dire, vers un rapprochement tactile. Nous avons tous fait ça un jour par exemple, d'être en rendez-vous avec un garçon ou une fille, et donc au moment du dessert ou au moment où on se sent de le faire, on écarte en fait tout ce qu'on a sur la table pour pouvoir jouer avec nos mains, les rapprocher ou commencer à se caresser le bout des doigts. Sauf Francis qui bien évidemment n'a pas de main, donc je suis obligée de lui rouler une pelle directement. Mais en fait il a pas de bouche non plus. Moi je t'aime quand même, c'est pas grave. Il existe des zones qui vont constituer ce que donc j'appelle des portes d'entrée. Donc ces zones qui ne sont pas forcément dérangeantes vont à peu près des mains jusqu'à l'épaule. Donc vous allez pouvoir instaurer cette proximité tactique très simplement en posant nonchalamment, pour une raison ou pour une autre, vos mains sur la fille avec qui vous avez rendez-vous. Ça peut être tout simplement parce qu'elle a quelque chose... elle peut avoir par exemple un cheveu sur l'épaule. Genre, non mais attends, tu sais pas la dernière. Ça marche aussi très bien. Alors bien évidemment, cela ne marche pas sur la poitrine. En langage séduction, on appelle ça le kino escalation. Kino escalation. Donc en fait, lorsque vous allez utiliser justement ces zones du corps relativement neutres, il va falloir en parallèle observer la réaction de la fille dont vous approchez. Parce que sa réaction va vous donner le feu vert ou le feu rouge à l'inverse.
C'est-à-dire que mademoiselle ou monsieur hein, va marquer son consentement par sa réaction. Donc, si vous posez votre bras sur mademoiselle, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle frissonne, qu'elle a froid, ou pour une raison ou pour une autre, et que vous la sentez se raidir, ou que vous sentez un silence un peu gênant s'installer, alors comment savoir que mademoiselle est gênée? Tout simplement, bah, elle va marquer un silence. Elle va fuir votre regard, elle va se raidir, vous allez sentir ses muscles se tendre, voire même elle va s'écarter. À ce moment-là, je vous recommande d'arrêter tout de suite. Mademoiselle a clairement marqué sa gêne, si vous poursuivez, vous allez vous prendre un stop, et en plus de ça, ce que vous faites est terriblement désagréable pour elle. Je préfère vous prévenir. Dans ces cas-là, je vous conseille de respecter sa pudeur et de ne pas faire de tentative de saut de ninja pour essayer de lui voler un bisou. Dans tous les cas, vous n'aurez absolument rien gagné. Un bisou volé, c'est un bisou triché. Moi, je dis... voler un bisou, c'est tricher. Non seulement c'est tricher, mais en plus ça peut constituer une forme d'agression. La preuve, le dernier à avoir essayé, c'est Gilles Verdez et tout le monde sait comment ça s'est passé. Maintenant, à l'inverse, si ce contact lui semble agréable, si elle continue à soutenir votre regard et garde une réaction naturelle, vous pouvez poursuivre tranquillement votre parade de séduction et votre approche physique, parce que cela signifie qu'elle est bien avec vous, qu'elle est à l'aise. Ça veut dire déjà dans un premier temps que votre aspect physique ne la dégoûte pas. Alors ouais, je sais, dit comme ça, c'est un petit peu pessimiste, mais en fait, ce n'est pas terminé. Alors, il faut savoir également autre chose, c'est que ce fameux Kino Escalation se fait à deux. C'est-à-dire que madame, normalement, si elle est réceptive à votre charme, devrait vous faire la courte échelle. Par exemple, si elle se sent bien avec vous physiquement et qu'elle a envie d'être proche de vous, elle peut, par elle-même, avoir envie, par exemple, quand elle marche dans la rue, de vous attraper le bras. Je vais vous donner un exemple très simple, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Quand j'ai rendez-vous avec un garçon et que ce garçon me plaît, si je m'éclipse pour aller aux toilettes, quand je reviens à ma table, je vais, par exemple, passer ma main sur la nuque ou sur l'épaule de ce garçon. Quand je fais ça, c'est une manière très simple de lui faire comprendre que il me plaît, que je suis en train de passer une bonne soirée et que... L'idée de le toucher ne me dérange pas. Et en gros, je profite de l'occasion et du fait que je puisse passer près de lui pour garder moi aussi une proximité physique. Alors, un autre élément qui est très important et qui va jouer en votre faveur pour justement créer cette proximité physique et vous diriger tranquillement, pépousement vers le premier bisou, ça va être le regard. Alors, petite minute biologie, il faut savoir que dans la nature, se regarder plus de 4 secondes n'est pas quelque chose de naturel. Il y a deux situations dans la nature où deux individus vont se regarder dans les yeux un petit peu au-delà de cette période. Ça va être soit au moment d'attaquer, donc de se battre. La deuxième raison pour laquelle vous pouvez regarder quelqu'un plus de 4 secondes, c'est que vous êtes en instance de péchopage. Francis, démonstration. Donc, tout au cours de la soirée, n'hésitez surtout pas à regarder votre partenaire dans les yeux quand vous lui parlez. Donc bien évidemment, je ne vous préconise pas de la mater pendant plusieurs secondes d'affilée tel un psychopathe. Ce que je vous expliquais par là, c'est que tout au long de la soirée, vous allez être par exemple face à face ou marcher dans la rue et n'hésitez surtout pas quand vous parlez à tourner votre visage vers elle ou à la regarder ou à lui faire face et la regarder dans les yeux pendant que vous parlez. Vous pouvez également regarder sa bouche, son œil droit, son œil gauche, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à soutenir son regard et si elle soutient également votre regard, c'est un excellent signe. Tout simplement parce que ça veut dire que ce qu'elle a devant elle lui plaît et lui plaît assez pour qu'elle vous regarde assez régulièrement. Cela est également un deuxième très précieux indicateur sur son éventuel intérêt. Alors c'est pas pour rien le fameux cliché de la fille avec la main comme ça, voilà. Donc si tout au long de la soirée, Églantine vous regarde très régulièrement dans les yeux, soutient votre regard, voire même vous sourit, cela est un second indicateur qui pourra laisser entendre que vous pourrez l'embrasser. Donc jusqu'ici, vous avez déjà réussi à instaurer une certaine familiarité qui fait que physiquement, vous êtes à l'aise ensemble. Je ne vous cache pas que le moment du premier bisou pourra créer une certaine appréhension qui pourra vous faire légèrement revenir en arrière et pour elle aussi, mais il va falloir passer outre parce que là, les enfants, nous allons devoir instaurer un moment propice pour le premier bisou. Alors, comment qu'on fait ? Alors, si vous êtes dans un contexte un peu particulier de type soirée, admettons que vous étiez à une soirée chez une amie et que vous rencontrez Églantine, et qu'Églantine et vous discutiez pendant assez longtemps, et que vous avez une subite envie de l'embrasser, ça peut arriver. Si vous voulez mettre en place un premier bisou, essayez dans la mesure du possible de vous isoler. Vous n'allez pas instaurer ce premier bisou alors que vous êtes sur un canapé et votre myriade de bandes de potes tout autour. Non, vous allez à ce moment-là vous débrouiller pour être au moins dans un côté de la pièce, voire même à l'extérieur si possible. Dans tous les cas, essayez dans la mesure du possible d'être tranquille et d'être dans un moment où vous êtes seulement tous les deux. Pour vous faire un parallèle, considérez ce premier bisou comme un secret. Et un secret ne se dit pas devant tout le monde. Quoi ? Tu as très envie de moi sur ce lit-là tout de suite ? Attends que les caméras soient éteintes. Ensuite, assurez-vous d'être dans son espace vital. Ça, c'est facile. Le but du jeu va vraiment être d'être à portée d'haleine. Là, en l'occurrence, il faut vraiment qu'elle soit en mesure de vous empoigner.
Par exemple, admettons que vous êtes debout et vous êtes en train de discuter. Tout naturellement, si vous êtes attiré l'un par l'autre, vous allez être assez proche. Quand je dis proche, en gros, là, on parle de là. C'est quasiment au niveau de l'avant-bras. En gros, là, on est là. On ne laisse en général les gens rentrer dans cet espace que si on est vraiment très proche d'eux ou qu'on a très très envie d'eux. D'un certain nombre d'interactions, au bout d'un certain moment, si elles vous laissent rentrer ici, c'est que c'est plutôt bon signe. Vous êtes isolé, vous êtes à portée d'haleine, parfait. Maintenant, vous allez instaurer un silence. Alors ça, c'est facile, vous allez l'écouter parler, il y a un moment, elle va s'arrêter. Vous perpétuez le silence. Très simple. À ce moment-là, on était dans la rue et puis en fait, qu'il est passé, c'était pas chez des voisins. À ce moment-là, t'as le frère qui a téléphoné, puis en fait, il avait paumé les clés, quoi. Là, c'est le silence stratégique. Elle a arrêté de parler. Vous allez plus rien dire. Vous allez juste la regarder dans les yeux, la fixer, fixer ses yeux et sa bouche, revenir à ses yeux, sa bouche. Il y a une tension qui va être immédiate, qui va se créer. N'hésitez surtout pas éventuellement à accompagner le geste en l'attrapant par la taille. Et là, vous allez pouvoir lui faire un bisou. Et si mes calculs sont bons, normalement, vous devriez avoir votre langue dans son gosier. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez donné des conseils pertinents. Moi, dans tous les cas, je vais vous demander de nous laisser seuls parce qu'on a des choses à faire, Francis et moi. Et je vous dis à très bientôt sur Morning Kiss.